Au deuxième titre de ce journal, plénière à l'Assemblée nationale ce mardi 5 décembre, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, a été face aux élus du peuple pour répondre à une question orale avec débat. Question relative au dysfonctionnement de la radiodiffusion nationale tchadienne. La séance a été présidée par le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Doba Robert. Créée en 1956, la radiodiffusion nationale tchadienne en son temps couvrait l'ensemble du territoire national, voire au-delà. La grille de cette station était variée et les Tchadiens s'identifiaient facilement à travers leurs radios. Elle avait une grande audience de par les sujets traités. Mais fort malheureusement, quelques années plus tard, la capacité de couverture médiatique de la radiodiffusion nationale tchadienne s'est véritablement dégradée et ne pouvant émettre au-delà de la capitale. Et c'est malgré les efforts consentis par le pouvoir public à travers la multiplication des stations régionales et des conventions signées avec les opérateurs de téléphonie mobile. Dès lors, quelles sont les causes profondes du dysfonctionnement de la radiodiffusion nationale tchadienne? Question posée au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale par les élus du peuple. Répondant à cette interrogation, la ministre de la Communication soutient que ce dysfonctionnement est d'ordre technique. La panne de l'émetteur d'ondes courtes de Grédia. Les coupures périodiques du secteur ont généré des problèmes de casse de composantes sur la platine des moyennes tensions, telles que les diodes, le pont redresseur et les résistances série 47 ohms, les disques durs du PC, la pompe eau pour le refroidissement des étages de puissance. De plus, des problèmes de sécurité autour du centre de Grédia ont causé le vol de près de 6000 mètres de cuivre d'antenne. Les 18 stations régionales implantées à travers le pays fonctionnent toutes avec des groupes électrogènes. Et les groupes électrogènes, comme vous le savez, consomment énormément de gasoil. Comme vous en avez également conscience, les difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés, malgré les efforts constants de l'administration, font que l'approvisionnement en gasoil n'est pas régulier. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la couverture de l'ensemble du territoire national de la radio Tchad. Aussi sollicitent-ils le soutien aux radios communautaires et la sécurité des journalistes intervenant dans ces stations de proximité. Ces hommes de médias font souvent l'objet de menaces de la part des autorités de certaines régions. La réhabilitation de certains grilles de programmes comme la radio rurale est un atout pour la formation et l'éducation du monde rural, suggère la représentation nationale. La ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, dit prendre bonne note. Elle promet œuvrer avec l'appui technique et financier du gouvernement afin de satisfaire les sollicitations de tous les Tchadiens.